some problems are solved, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something that's fine. So hard, my mom. I hope you come and see me a lot. That was great. You can call me stupid, yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble deep. Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble deep. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her would get to me? Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé l'introduction de cette vidéo. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus, bombardez s'il vous plaît les gars. Aujourd'hui, épisode très particulier. Pour les prochains, j'essaierai également de m'appliquer, de me faire des petits plaisirs pour vous faire des petites cinématiques. Pourquoi pas même des courts-métrages, parce que ça c'est quelque chose que j'adore faire sur GTA. Les amis, épisode totalement consacré à tout ce qui est prostitution, drogue, quartier chaud, épisode nocturne d'ailleurs, parce que vous m'aviez dit en commentaire que ça vous dérangeait pas les épisodes nocturnes. Donc nous voici avec mes deux petits collègues d'aujourd'hui. Voilà, on a Tony et Fredo, voilà, ici présents, et on se retrouve avec un véhicule que vous m'avez proposé. Et vous le voyez, il existe en plusieurs modèles. Alors c'est une Dodge Durango, si je dis pas de bêtises. Là on a l'édition Sheriff, ici on a l'édition Police de Los Santos, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui, et ici on a la version Park Ranger. Beaucoup trop stylé, les gyrophares ils sont magnifiques, je vais juste vous les montrer tout de suite. Donc on va pas faire une patrouille dans l'aéroport les amis, c'est juste que j'avais envie de commencer ici. Donc regardez les gyrophares, comment ils sont magnifiques. J'adore, en plus la rampe en bas, etc. C'est juste incroyable, je trouve ça beaucoup trop beau. Et avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier pour vos retours sur le dernier qui vous a extrêmement plu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on remet ça, on va patrouiller dans les quartiers chauds, et notamment tout ce qui est prostitution et drogue. Va falloir qu'on mette les choses au clair à propos de la prostitution. Je me suis renseigné sur internet au niveau de des lois, comment ça fonctionne. Je suis pas vraiment d'accord avec la loi, mais bon, comme d'hab, la loi, voilà, nous on est policiers. Le but du jeu c'est pas de juger, le but du jeu c'est de faire appliquer les lois, donc on va en parler. Sachez juste les amis que j'ai installé des nouveaux call-outs, ce sera pour les prochains épisodes, puisque du coup on va clairement faire des courses-poursuites incroyables dans les prochains épisodes. Alors pas celui-ci, parce qu'en fait faut savoir que ce véhicule est complètement buggé, faut que je fasse très attention, c'est-à-dire qu'au moindre petit virage la voiture se retourne. Alors ça c'est un problème. Au niveau des fichiers du véhicule, c'est bien dommage. Regardez, je peux vous montrer un peu, regardez. À tout moment, le véhicule se retourne. Hein. Donc, les courses-poursuites, on va éviter d'en faire dans cet épisode. Et franchement, ce véhicule, merci de me l'avoir proposé parce qu'il est magnifique. Mais alors, par contre, il est buggé. Donc, clairement, on l'utilisera pas pour les prochains épisodes, malheureusement. Et on fera des épisodes courses-poursuites. Ce sera vraiment trop cool. Voilà. Donc là, les amis, direction les quartiers chauds. On fait partie de la Task Force, la Gang Task Force, vous l'aurez compris. On est plusieurs unités sur le coup. Donc là, voilà, on est l'unité 21. Voilà, comme ça, vous le savez. On est l'unité 21. Voilà, je m'invente un petit peu des trucs. Et il y a plusieurs unités qui sont dans les quartiers chauds. On patrouille
beaucoup ces temps-ci pour vérifier que tout se passe bien. Et vous m'avez donné des idées incroyables, les amis, pour les prochains épisodes, notamment également dans les quartiers chauds. Vous m'aviez proposé de faire des checkpoints, un petit peu des zones sécurisées pour limiter les trafics. Donc ça, on fera avec grand plaisir. Bravo pour cette idée. Des épisodes de patrouille à pied, ça c'est une super idée que j'avais même pas pensé, donc c'est vraiment cool. Des patrouilles à vélo, enfin voilà, vraiment on va se faire plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez entre patrouille dans les quartiers chauds et course-poursuite. Entre les deux, c'est quoi votre préféré, sachant que clairement les deux, j'adore. Donc évidemment, pour les prochains épisodes, on va vraiment privilégier tout ce qui est course-poursuite et quartier chaud. Mais j'aimerais vraiment savoir c'est quoi votre préférence. Alors attention, vous voyez, le véhicule se retourne, c'est vraiment dommage. C'est vraiment pas sûr qu'on fasse toute la patrouille avec ce véhicule, parce que je vous jure, c'est infâme à piloter. Et d'ailleurs, pour cette raison, je n'utilise pas le G27 hein, pour cet épisode. Je joue vraiment avec le clavier, parce que c'est vraiment difficile à gérer. Ce véhicule est vraiment incroyablement buggé. Donc voilà, épisode nocturne, forcément, pour la prostitution, c'est obligé. Alors oui, du coup, faut qu'on en parle, les amis, parce que, vraiment, je me suis renseigné, moi ça me choque, mais on n'est pas là pour juger. Sachez que la prostitution en France, en tout cas, mais on va dire que c'est pareil à Los Santos. Eh, monsieur, vous connaissez le principe des passages piétons? On arrive dans les quartiers chauds, on va pas trop faire les thug life, hein, on va pas, voilà. La prostitution n'est pas interdite, voilà. La prostitution n'est pas illégale. En revanche, sachez-le, les gens qui s'arrêtent pour se payer une prostituée, en tout cas en France, sont passibles d'une amende de 1 500 €. Voilà, donc c'est-à-dire que les meufs, et les mecs, bien évidemment, mais les nanas qui sont sur le bord de la route et qui sont en train de solliciter de pauvres gens qui se font attirer l'œil, eh ben eux, ils sont dans le mal. Donc, dans l'idée, on va tout simplement contrôler les véhicules qui s'arrêtent et qui prennent une prostituée, en tout cas ce qu'on pense être une prostituée, pour faire tout simplement des contrôles. Donc là, les amis, on va passer dans les quartiers des Ballas, si je dis pas de bêtises, donc on va faire attention. Je vais mettre available for calls, évidemment. Donc on va pas prendre les interventions de course-poursuite. Par contre, si c'est des interventions qui sont très très chaudes, on va les prendre, bien évidemment. On va faire profil bas, hein. Bonjour les gens, comment ça va? Bon, évidemment, on est bien équipé. Vous voyez, il y a un hélicoptère juste en haut qui patrouille. On se met vraiment bien. C'est un quartier qui est extrêmement surveillé et qui est très connu pour tout ce qui est drogue et tout ce qui est attaque de gang, bien évidemment. Vous savez quoi, on va prendre cette petite ruelle. Bonjour. On va faire attention à tout ce qui se passe. On entend des cris. On peut pas prêter attention à tous, les amis, forcément. Donc je rappelle, hein, je rappelle vraiment. En fonction des call-outs qu'on aura, c'est pas grave si on les prend pas. On a plusieurs unités qui sont sur place. On est énormément en patrouille. Il y en a beaucoup en planque. Et beaucoup de véhicules qui sont en civil. Hein. Des fois, vous voyez la voiture rouge là-bas, c'est peut-être un policier, hein, par exemple. Vous voyez voilà, très clairement. Si on peut aussi faire un peu de répression, ce serait pas mal. Donc, c'est-à-dire si on voit des femmes au bord de la route qu'on pourrait qualifier de prostituées, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas là pour juger, bah, un petit coup de gyrophare et puis on verra si elles partent en courant. Si elles partent en courant, bah tant mieux, on les laisse partir en courant. Le but du jeu, c'est un petit peu de les faire chier, un peu casser leur business. Et évidemment, bah, si elles partent pas en courant, c'est qu'elles ont rien à se reprocher, ou en tout cas, elles font genre. Du coup, voilà quoi. Hein. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18, citizens report. Ok, bah c'est parti. Donc là voilà, première intervention. On va partir en planque. Donc on nous appelle, on va y aller en mode profil bas. Donc sans gyrophare, regardez là, il y en a sur le côté. Ça c'est une prostituée, c'est sûr. Voilà, là, elles viennent de s'excuser. J'en ai entendu une autre qui s'est barrée en courant. Ils ont dit I'm sorry, donc vous voyez, voilà, là, elle part en courant. Là, tout le monde part en courant, donc c'est pas mal. Par contre, j'espère qu'ils vont pas alerter là où on va. Puisque du coup, on va partir en planque. On aurait donc, comme ces femmes-là, et eh bien potentiellement une prostituée, une femme suspecte qui serait soupçonnée de prostitution. Et donc, ce qu'elle fait, c'est pas interdit. Je dirais malheureusement, mais on n'est pas là pour juger. Du coup, on va voir si un véhicule s'arrête. Et puis, si on peut arrêter les deux, ce serait pas mal. Mais déjà, il faut qu'un véhicule s'arrête. Et déjà, il faut qu'on trouve l'individu sans se faire repérer. Ah, elle est là-bas en face. Ok, je la vois. Ok, donc on va tourner à droite, les gars. Elle est là-bas, je la vois, c'est bon, vous inquiétez pas. On va se mettre en planque tranquillement, regardez. Hop. On va faire un petit demi-tour tranquillou. On va éteindre les phares et on va se mettre sur le côté. En plus, il y a pas mal de brouillard, il fait nuit, c'est ça l'avantage. Et puis mon avant, il est noir, donc il n'y a pas de souci. Donc là, le but du jeu, évidemment, on va espérer, entre guillemets, qu'une voiture passe par là et s'arrête. Et dans le cas où elle rentre dans un véhicule, on pourra procéder à un contrôle du véhicule. Qu'est-ce qu'elle veut, elle?
Madame circulaire, qu'est-ce qu'elle veut? Elle va tout faire capoter. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Waouh, hey, comment elle m'a guetté sévère, elle, vous avez vu? Oh là, elle est chelou. Enfin, elle ou il, mais j'ai cru que c'était une femme. Elle est chelou. Ouais, bah on est dans des quartiers un peu sous influence de drogue, quoi. Ah, attendez, c'est pas cette femme-là, c'est la femme qui est là-bas, en fait. Ok. Alors, juste faire gaffe, vous voyez en bas à droite la jauge pour pas se faire repérer. En fait, c'est la femme qui est là-bas. Ah bah voilà, et attention, une voiture... Ok, les voitures passent devant. Donc en fait, c'est elle qu'on a en joue, hein. C'est pas du tout la femme à gauche. Mais peu importe, ça revient au même. Donc voilà, le but du jeu, c'est que si elle rentre dans un véhicule, on peut procéder à un contrôle, évidemment. On peut pas dire que, voilà, cette femme-là, oh là, cette femme, c'est une prostituée, c'est sûr. Non, on peut pas dire ça. C'est pas notre job, on est pas des, hein, on est pas des ringards, les gars. Hein. Du coup, ça peut très bien être quelqu'un qui attend son mari, son frère, son... Je sais pas, peu importe. Dans tous les cas, on est là en planque, et c'est très bien comme ça. Ouais, j'ai cru qu'il allait y avoir un accident. Donc pour le moment la planque se passe tranquille, là on se prend des chips, on prend du soda, on boit tranquille. Hein. Mais c'est ça ce qui est ouf, alors on n'est pas là pour juger mais... Oh, il y a une voiture qui s'est arrêtée sur le côté. On n'est pas là pour juger mais je trouve ça ouf que la prostitution, en tout cas l'activité des femmes là, est légale. Par contre le fait de prendre une prostituée c'est illégal, c'est ça ce qui me rend ouf. Elle rentre dans le véhicule. Ok, patrouille 26, on a localisé un véhicule qui vient de prendre une prostituée. Et on s'est fait cramer. On s'est fait cramer forcément. Ok, procède à un contrôle sur le véhicule. Ok, il se met sur le côté, il coopère. Ok, il coopère. Ok. Demande vérification au fichier pour véhicule. Ok. 68, uniforme, Delta, Tango 501. Laura Vickery. Ok. Donc le permis est suspendu, hein. Donc monsieur roule sans permis. Bonjour monsieur, madame, c'est la police. Bonjour. Ok, donc c'est bien la femme qu'on a suspectée qui est à côté, hein. Très bien. Bonjour monsieur, je vais vous demander vos papiers d'identité s'il vous plaît. Léo Cray. C'est pas sa voiture déjà. On va faire un ped check. Ok, j'espère que ça va bien se passer parce que là on est quand même dans un quartier chaud évidemment, ça me fait un peu peur. Léo Cray, licence valide. Attends, ça colle pas du tout avec ce qui m'a été signalé sur le... Ah oui, non, le propriétaire du V... Oh, attendez les gars, ça se peut c'est sa femme. Attendez, on va demander... Oh ok, attendez, je vais arrêter de m'exciter, c'est pas RP, je suis désolé, mais je crois que j'ai compris la situation et ça se peut c'est pas du tout ce que je crois. Vos papiers d'identité s'il vous plaît. Ah non, c'est Ali Williams, ouais non, du coup c'est pas ce que je croyais. Je vais vous expliquer dans un instant ce que je pense. Mais visiblement... Ce n'est pas du tout Matt Johnson, mais ça n'a aucun sens, c'est absolument pas les personnes là que je... Bon, madame, sortez du véhicule, je vais vous poser quelques petites questions là. Quel est le prénom de cet homme? Léo Staglioni. Ok, c'est pas du tout ça. Quel âge a le monsieur? Je pense qu'il doit avoir 25 ans. Ok, en fait, elle ne le connaît pas, hein, du coup, hein. Qu'on soit bien d'accord, elle ne le connaît pas et elle nous le fait savoir. Où est-ce que vous allez? Je suis en train de se balader, ok. Ok, rentrez dans le véhicule de nouveau, madame. Bon, 100% c'est une prostituée, vous l'aurez compris, parce que là, évidemment, ils ne se connaissent pas. Hein. Ils ne se connaissent pas. En fait, je pensais que c'était sa copine, et que du coup, en fait, c'est le véhicule de la copine, mais qu'elle a plus le permis, donc du coup, c'est lui qui roule. Mais visiblement, en fait, c'est pas du tout ça, et ils se connaissent pas. Donc, sortez du véhicule, monsieur. Je vais vous poser des questions. Pourquoi? Alors, attends, d'abord, c'est quoi le nom de cette femme? Ali Bleacher. Ouais, c'est bien ça, il me semble. J'avais vu ça avant, Ali Bleacher. Donc ça, c'est vrai. Ouais, il est peut-être habitué. Hein. Pourquoi il est dans votre véhicule? C'est vraiment une chouette fille, vous trouvez pas? Voilà, pour dire ça poliment. quel âge a-t-elle? Oh là là, elle a l'air d'avoir 24 ans. De plus que moi. De moins que moi. She looks 24 years old to me. Non, 24 ans de plus que lui. Ok, donc il ne sait même pas. Hein. Et vous allez où? Just cruising, lovely day. Ok, il se balade quoi, globalement. Ok, c'est louche, rentrez dans le véhicule. Ok. Bon bah les gars, c'est prouvé, hein. C'est prouvé, c'est une prostituée, les gars. C'est excellent cette situation, ça me fait trop rire. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que... je vais pas appeler de backup, parce que du coup, je suis déjà avec mon escouade. Je vais vous demander de simplement de sortir du véhicule. La dame, elle peut rester. Je vais... Alors restez ici, je vais tout simplement vous demander de vous retourner, je vais vous placer les mains derrière le dos.
Vous inquiétez pas, vous êtes juste en... C'est pour la sécurité que je vous place les menottes pour le moment. Bougez pas. Et je vais vous fouiller. Alors, normalement, il me semble qu'on doit fouiller avant de menoter. Je ne sais plus, mais voilà. Là, j'ai préféré être vigilant et d'abord le menoter. Ok, il avait rien de dangereux sur lui. Du coup. Bon, c'est 100% une prostituée. Alors, le truc, c'est que je vais pouvoir lui mettre une amende. Et en fait, ça me dérange, en fait. Ça me dérange de faire ça. Mais du coup, la femme, elle a le droit de repartir, normalement. On va voir. Sortez du véhicule, madame. Ok. Bougez pas. Redonnez-moi vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Qu'on soit juste bien d'accord. Allez, Williams. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. Et l'individu... Je refais des derniers tests avant qu'on finalise tout ça. Donc lui, c'est Leo Cray. C'est bien ça. Licence valide, pas de mandat d'arrêt. Et là, cette dame-là. Ali Williams, c'est bien ça. Licence valide, pas de mandat d'arrêt. Donc c'est pas leur véhicule, quoi qu'il arrive. Ok. Bon, madame, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez rien du tout. Je vais vous demander de rester ici. Mes collègues vont vous surveiller. Je vais vous demander de rester ici. On va regarder juste au fichier si on n'a pas plus d'informations. On sait jamais. Ped record, Leo Cray. Il s'est déjà fait arrêter. Possession of stolen driver license or ID. Ok, il avait une fausse. Ok. Et Ali Williams. Ok. Bon, les deux, ils sont en règle actuellement. Hein. Ils sont en règle. Par contre, le véhicule ne leur appartient pas. Hein. Donc ça, c'est assez étonnant comme situation. Je vais de nouveau refaire une vérification de la plaque d'immatriculation. Bon, je l'avais déjà faite, mais sait-on jamais. Hein. Donc pour la 68 uniforme Delta Tango 501, Laura Vickery. Vous voyez, c'est ni l'un ni l'autre. Ok, donc conclusion de la situation, j'ai très bien compris et j'ai envie de lui mettre 2-3 droites à ce mec. Vous l'aurez compris, la fameuse Laura qui est propriétaire de ce véhicule, j'imagine que c'est la femme ou la copine de cet homme, hein, parce que c'est pas du tout un véhicule volé, c'est sûr. Donc voilà, et en fait, monsieur va aller voir des putes, quoi. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais je n'aime pas ça, en fait. En fait, je vais péter un câble, cet épisode de LSPDFR va me saouler, je vous le dis direct, je n'aime pas ça, je déteste ça, connard, pardon. Bah du coup, monsieur... Je vais appeler un police transport, vous allez partir au Comico. Parce que du coup c'est illégal. Hein. C'est pas une histoire de fidélité, c'est juste que c'est illégal dans tous les cas. Je vais lui faire à Leo Cray la misère. Alors Criest Arrest Report. Et normalement, non-violent crime, il doit y avoir un truc. Sollicitation prostitution. Ah d'accord. En fait, je peux lui mettre une amende à la femme. Apparemment, à Los Santos, c'est pas... Enfin, en tout cas, aux États-Unis, ça doit pas être les mêmes lois qu'en France. Et bah, tant mieux. Comme ça, les deux, ils vont prendre cher. Mais du coup, on n'a pas... J'ai pas pour le monsieur, là. En fait, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Genre, en France, si tu vas aller voir une prostituée, t'es en tort, alors que là, c'est l'inverse, j'ai l'impression. Sollicitation... Franchement, je sais pas quoi lui mettre, du coup, les gars. Engaging prostitution. Je pense que c'est ça, genre, je crois que ça veut dire ça. Il a engagé la prostitution. Il a pris la prostituée pour engager l'acte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien ça. Donc ça c'est fait, submit charges. On verra à la fin de la vidéo ce qu'il en court. Donc il va se faire emmener par les collègues. Et du coup la dame, bah pareil, hein, on va lui mettre, du coup on va l'arrêter. Les mains derrière le dos, madame. Vous êtes en état d'arrestation. Du coup, je savais pas. Mais en tout cas, sachez qu'en France, quoi qu'il arrive, la prostitution n'est pas interdite. Elle n'est pas illégale. Par contre, évidemment, sans prendre une... Pareil, on va lui appeler un prisonnier de transport. Faut que je fasse end call. Hop. Je lui appelle... Attends, reste ici, toi, mon pote. Prisonnier de transport. Hop. Les collègues arrivent. Et je vais pareil, Ali William, create arrest report, donc non-violent crime, et normalement on a sollicitation prostitution, voilà, nickel, submit charges, et ça c'est réglé. Alors je vais juste reculer la voiture pour faire un peu de place, parce que là on a quand même un grand dispositif sur place.
En tout cas, je suis content parce que mes collègues là, ils sont en train de. Vous voyez, ils surveillent les lieux. Enfin, ça se passe super bien. Le véhicule. Alors là, malheureusement, va falloir quand même annoncer la nouvelle à la femme. Hein. Pourquoi il y a de la fumée? Je sais pas. Donc en fait, on va appeler l'assurance du véhicule pour qu'il puisse récupérer. Parce que du coup, il appartient à la femme de l'homme. Donc on va pas l'emmener à la fourrière. Donc ils vont aller chercher le véhicule. Oh là, c'est chaud comme situation. En tout cas, ça se termine bien. Tout est bien qui finit bien, sauf pour le couple, j'imagine, parce que là, le gars, il va se faire. Comment il va justifier à sa femme le fait qu'il s'est fait emmener par la police? Franchement, je ne sais pas. Mais j'ose imaginer quoi. J'ose imaginer, il va dire une connerie ou les collègues vont dire la vérité. Enfin voilà, les amis, c'est une fin d'intervention. Ça s'est bien passé. J'ai fait ça dans les règles de l'art. J'en suis assez fier. Ça a pris du temps, mais j'ai fait ça dans les règles de l'art. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Reports of reckless driving. Non, c'est pas pour nous. De toute façon, je pense pas que ce soit dans la zone. Mais c'est pas pour nous. Nous, on est vraiment tout ce qui est drogue et prostitution, quoi. Hein. Donc voilà, fin d'intervention. La circulation va retrouver normalement son ordre. Ouais, c'est bon. Voilà, le véhicule repart. Tout se passe bien. Par contre, mon collègue, faudrait qu'il re-rentre dans la voiture. Allez, viens, mon pote. Viens, Tony. Nickel. Tout le monde est dans la voiture, j'ai mon troisième derrière, parfait. Eh ben c'est parfait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette intervention. Elle s'est super bien passée. Je suis super content parce que ça s'est passé dans les règles de l'art. Donc ce qu'on va faire les amis, on va faire un petit coup de répression. On va passer dans les quartiers un petit peu avec les gyrophares, histoire de leur rappeler que la police est là. On est aux États-Unis. Donc on va passer dans les quartiers où il y a potentiellement... Bon là je suis passé devant des gangs, hein. Très clairement. Hep, tu me laisses passer? Ouais, je passe au rouge, je m'en fous. Donc là, on va croiser des prostituées, on va mettre les gyros. Enfin, des prostituées, vous m'avez compris, hein, on peut pas juger, hein, mais... Là, regarde, il y en a une là. Voilà, c'en est une, on est bien d'accord. Là, sur les côtés, personne n'a rien à se reprocher. Là-bas, regardez, ça part en courant. Ça part en courant, c'est incroyable. J'adore. J'adore, les gars. Franchement, c'est un truc qui me fait trop... Par contre, elle se met en danger, hein, elle est complètement bête. Hein. J'avais pas prévu qu'elle se mette en danger, par contre. Hein. Allez, on va passer à gauche. Je vais éviter de faire retourner la voiture. J'ai une conduite assez particulière, mais comme dit, c'est pour éviter de retourner la voiture. Oh, j'ai entendu civilian shot. Alors, un témoin a vu une victime, possiblement morte. Oh, ok, il y a un cadavre qui a été retrouvé apparemment. Oh là là, ça c'est pour nous évidemment. On fait partie de la gang Task Force. Oh, c'est chaud. Il y a un gars qui a retrouvé un cadavre. Ça se passe où? Où est le témoin? Où est le témoin de Jéhovah? Je vois pas de témoin là. Ça se passe peut-être dans les... Ça se passe où? J'investis les lieux. Ah c'est ici, il me fait signe, ok. Oh là là, c'est chaud. Bon, je suis obligé de bloquer la circulation. Je vais garder une arme à la main évidemment. Bonjour monsieur. C'est vous qui nous avez appelé? Oui. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? On est arrivé et soudainement une femme en colère est venue et a tiré sur mon ami. Oh là! Dignodo de gueule. Est-ce que vous la connaissez? Non. Mais elle est partie avec une voiture rouge. Plaque d'immatriculation 35 JJS 260. D'accord. D'accord. Ok. Eh ben on va essayer de la retrouver, mais avant ça. Alors Tony, il va bien le collègue ou pas là? Oh ouais. Bon, on va directement appeler. On va appeler avant toute chose, parce que c'est notre boulot, les ambulances. Et apparemment, le véhicule serait dans les quartiers chauds. C'est chaud de night. Allez les gars, on rentre dans le véhicule, on va essayer de toper la chauffard. Enfin la chauffard, mais non. C'est même pas vrai. C'est quelqu'un qui a une arme à feu et qui a buté son pote. Enfin, j'espère qu'il est pas mort. Allez, on y va, les gars. On va essayer de... On va prendre en contresens, les gars. Donc, apparemment, la dernière fois que le véhicule a été identifié, donc une voiture rouge, c'était par là-bas, donc on y va. J'espère qu'on va la retrouver. Et si ça part en fusillade, c'est la merde parce qu'on est dans les gros quartiers chauds. Ça se passerait ici. Je vois pas de voiture rouge. Mais on va émettre l'hypothèse qu'on en a vu une.
Allez. Police! Bonjour madame! Est-ce que la voiture rouge vous appartient? Oui, pourquoi vous me demandez? Est-ce que vous savez où est la voiture? Ah d'accord, en fait elle a pas la voiture là. Ma sœur l'a utilisée pour ramener de la nourriture. Pourquoi il se passe quoi? Eh ben madame, votre véhicule a été utilisé pour faire un homicide. Hein. Oh! Arrête! Jette ton arme, jette ton arme! Ok. Et ça part, et là ça part en fusillade. Ok, mettez-vous à couvert! Mettez-vous à couvert! Panic button! Les gars, mettez-vous à couvert, venez, Tony, 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 venez, 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 venez! Ça part. Oh là 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 là! Ok, ça envoie du gaz lacrymo, les gars, faut envoyer du gaz lacrymo là. Dispersez-vous! On se disperse! Ok. On voit pas trop où on tire. Mes collègues, ils vont bien ou pas? Ça va, Tony? Fred, il est où, Fred? Elle, elle est encore à genoux en plus. Elle est encore à genoux. Non! Qui c'est qui lui a tiré dessus? Non! Non, mes collègues! Tony, Fred! Oh non, tous les deux, ils sont morts, les gars. Bon, toi déjà, frère. Allez, relève-toi. Tu as placé tes mains dans le dos, là. Vous êtes en état d'arrestation, madame. Sérieux? Oh, c'est parti en cacahuète. Bon, allez, mets-toi à genoux, là, tout de suite. Non, vite, 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 vite. Ambulance. Faut qu'on appelle une ambulance. Je vais essayer de réanimer Tony, là. Je vais essayer de réanimer Tony. Oh là là, les gars, ce qui s'est passé est incroyable. Bah, on est dans les. En fait, les gars, y a rien à comprendre. Hein. On est dans les quartiers chauds. Les gars, ils tuent tout le monde n'importe comment. Enfin, ouais, forcément, tout le monde est complice de tout. Donc, ça part très vite en guet-apens par ici. Hein. Allez, j'espère que je vais y arriver. Ah, oh, j'y arrive pas. Vas-y, venez, les ambulanciers, occupez-vous de lui, ça, s'il vous plaît. Là, c'est pas bon, là. Non, allez, occupez-vous de lui, vous allez y arriver. Ah, merci, merci. Bon, lui, je vais essayer. Fred, c'est pour toi. Je vais le faire pour toi, mon pote. Oh là là. J'ai trop peur, les gars. J'aimerais trop que mes collègues y reviennent à la vie, là. Non. C'est dramatique. C'est dramatique, ce qui se passe. Allez. On va le refaire repartir. Allez, 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 mon pote. Oh, ils ont pas réussi. Et moi, j'ai pas réussi non plus. Oh, non. Ils sont tous Delta, Charlie, Delta. Circulez, là, monsieur. Non. Je suis deg. Bah, l'autre il écrase. Bon, on va pas refaire des coups de feu. Bon, ouais, elle là, relève-toi. Je vais appeler les coroners. Je vais fouiller la madame. Oh là là, c'est chaud. Les gars, je suis deg. Cette intervention, je suis deg. Ok, ami Bailey. Un petit pet de check. Ok, et eh ben elle va prendre cher, moi je te dis direct. Allez, ça part en police transport et puis Oh, ils ont réussi à le réanimer. Oh, Tony. Tony, mon pote. Ok, nickel. Oh là là. C'est bon, ça. C'est bon, ça, Tony. Tu vas y arriver, courage, Tony. Tiens bon, Tony. Je suis avec toi, mon pote. Je suis avec toi, mon pote. Ok, c'est bon. J'ai le prisonnier transport là qui prend l'autre connasse. Excusez-moi. Voilà, collègue le prend. Ah, il y a tout un dispositif sur place là, forcément. Ok. Je vais créer l'arrest report pour madame. Oh là là. Bon, déjà, on a réussi à en réanimer un de mes collègues, malheureusement, pas l'autre. Crest arrest report. Alors là, elle va tout prendre. Déjà, elle a écrasé quelqu'un à la base. Enfin non, du coup c'est sa sœur, mais bon, comme dit, elle a été complice, hein, la preuve. Écoutez, drug possession, odeur possession. Déjà c'est... Ah voilà. Écoutez, ah voilà, attempt murder of police officer. Donc elle a essayé bah, elle a même réussi en fait, hein, de tuer des policiers. Ah, murder of police. C'est pas... En fait, attempted, ça veut dire tentative, alors qu'en fait elle l'a vraiment fait.
Vehicular Manslaughter, ça c'est sa sœur visiblement, mais on va quand même la mettre dedans. D'ailleurs, il y aura des procédures pour retrouver l'autre dame, du coup, parce que du coup, on n'a pas retrouvé l'autre dame à la base. Violent Crime, elle a un peu fait un assaut, mais bon, on va pas. On a déjà mis du coup. Voilà. Voilà, on va déjà mettre ça. Ok, Submit Charges, et c'est parfait. Ok, ça c'est fait. Et bah, les gars, franchement, dur. Dur. Là, il continue d'essayer de réanimer des gars. Dur cette intervention. On va retourner. On va retourner parce que c'est pas fini en fait. La mission n'est pas finie. J'ai plus. Je suis tout seul maintenant dans la patrouille, mais l'investigation continue, les amis. Visiblement. Puisque du coup, bah comme dit, là on vient seulement de questionner la madame à qui appartient le véhicule. Mais le véhicule est toujours en fuite en fait. Hein. Et c'est sa sœur. Elle a dit. Il me rappelle. Je crois que c'est sa sœur, il me semble. Hein. Et apparemment, elle a été localisée par là-bas dernièrement, la voiture rouge. Donc, on va y aller. Et j'espère qu'on va la toper. Oh là là. Dur quand même comme intervention. Puis alors, moi, je peux pas trop faire de course-poursuite. Donc, c'est assez compliqué. Donc, véhicule rouge, hein, je le rappelle. Oh là. Voiture rouge. Oh là, où c'est qu'elle peut être? Vous savez quoi, je devrais éteindre mes gyrophares. Oups. On n'a pas. Oh là, il y a une voiture rouge. Là, il y a des voitures rouges. Oh les gars. C'est ça? En plus, ils sont garés trop bizarrement. Alors attendez, j'ai mon petit plugin spotlight qui me permet un petit peu de regarder avec ma lampe de poche. Non, je pense pas que ce soit ça, sinon ça m'aurait déjà. Ça m'aurait déjà indiqué. Attends, on sait jamais. On va faire une vérification. Ok, la centrale, je demande une vérification pour une plaque d'immatriculation voiture rouge ACA 81 Papa Sierra Yankee 454. C'est pas ce véhicule là. Et j'ai besoin de renseignements pour une Yuga 86 Kilo. Québec, Bravo 806. C'est pas ça non plus, Brit Mason. Ok, donc c'est pas ces véhicules là. Là-bas, je vois une voiture rouge. Je vois d'autres voitures rouges, mais je pense pas que ce soit celle-là. Alors, exceptionnellement, je vais y aller en contresens pour gratter du temps. Je vais faire ça en toute sécurité, évidemment. J'ai dû zapper la voiture rouge. Ah, ou alors vous pensez que elle est descendue là pour se cacher? Oh, y a moyen. Oh, y a grave moyen. En vrai. Oh, elle est dans l'eau. Les gars, je vois une voiture rouge dans l'eau. Ok, j'ai trouvé l'individu. Ok, patrouille 21, j'ai trouvé l'individu. En tout cas, j'ai trouvé la voiture rouge. Hein. Wow, elle est dans l'eau, les gars. C'est un truc de ouf. Alors, je vais y aller. Je vais un peu me mouiller les. Je vais un peu me mouiller, quoi. On va y aller tranquillement, on va progresser. Ouais, j'ai l'individu à l'intérieur. Ok, police, tu sors du véhicule. Sors du véhicule, les deux mains en évidence. Ah ouais, mais du coup, elle est dans l'eau, quoi. Allez. Elle a une arme. Jette ton arme, toi. Mais elle va se noyer. Elle va se noyer sous l'eau, c'est énorme. Allez. Blululul. Code 4, on a réussi l'intervention. En hommage à mes collègues, enfin un collègue qui est mort et l'autre qui va réussir à s'en sortir. Allez, on va se remettre là-bas. On l'a eu la madame, on l'a eu. Excellent. Allez, bon madame. On va directement. Alors attends, je peux rien lui faire, j'ai l'impression. C'est trop chelou. Attendez, je peux pas lui faire un pas de donne de ped là. Pourquoi je peux pas la fouiller? Attends, je vais faire comme ça. Ah non, je peux pas. Je peux pas lui appeler de prisonnier de transport, wesh. Bon, je vais faire comme ça, j'ai trouvé la solution. Pet check, Elisabeth Martinez. Donc là, j'ai les collègues qui arrivent. En plus, suspect is wanted, forcément, elle est recherchée. Puisque du coup, forcément, elle a quand même... Alors, est-ce que je peux... Ped record? Ouais, parfait. Create arrest report. Et donc là, du coup, homicide... C'est Vehicular Manslaughter. Bon, du coup, je sais que je l'ai mis à l'autre qui était complice, mais je m'en fous. Voilà. Et ben voilà, ça c'est fait.
Eh ben les amis, franchement, cet épisode il aurait été incroyable. Hein. Rempli en émotion, hein, disons-le. Hein. Allez, prenez-la. Voilà. Ça dégage, je veux plus te voir. Bon, la voiture, on va la laisser là, mes collègues s'en occuperont, hein, très clairement. Du coup, voilà. Eh bien, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Je vais me mettre sous le pont et puis on va regarder les peines encourues à tous ceux qu'on a arrêtés dans cet épisode parce que c'était incroyable. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Vraiment, j'ai kiffé de ouf. Alors forcément, les procédures, ça prend du temps, vous l'aurez vu. Par exemple, la prostitution, ça a pris quand même beaucoup de temps, mais c'est très important, faut faire ça de la manière la plus RP. On va regarder les peines encourues, donc ce sont les 4 d'aujourd'hui. Donc je rappelle qu'on a arrêté Leo Cray, Ali Williams, Amy Bailey et Elizabeth Martinez pour les raisons suivantes. Donc Leo Cray, on l'a arrêté tout simplement, c'était pourquoi ? Voilà, engaging prostitution. Hein. Donc il s'était déjà fait arrêter pour abuse of 911, donc il a appelé les secours, mais ça on s'en fout. Nous on l'a arrêté pour engaging prostitution. On va voir qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce qui va lui arriver. Ok, pas de prison, mais une amende du coup de 942 plus 626$, donc ça fait un petit peu plus de 1000$ hein, d'amende, très bien. Ali Williams, qui elle, du coup, était la prostituée, on va voir, 9 mois de prison et 804$. Bon, évidemment, voilà, c'est pas pareil aux États-Unis, parce qu'en France, ce scénario n'est pas possible, hein, ce serait complètement l'inverse. Et encore, non, il n'y a pas de prison pour la personne qui va prendre une prostituée, mais c'est 1500€ d'amende. Hein. Amy Bailey. Donc Amy Bailey, c'est celle qui nous a fusillé et qui a réveillé tout le quartier chaud, donc j'espère qu'elle va prendre cher. 56 ans de prison, bah là elle va forcément finir sa vie en prison, hein, puisqu'elle a 49 ans, donc ouais, clairement. Elle a... Et puis 10 000$ en même temps, voilà. En tout cas 56 ans de prison, pour une fois la justice a bien fait, donc là elle prend perpète. Et Elizabeth Martinez, bah j'espère qu'elle aussi, puisque c'est celle qu'on vient d'arrêter et qui a écrasé du coup l'individu. 10 ans de prison, 8 000$ d'amende. Eh ben, ça va, c'est bien, mais voilà. C'est représentatif de la justice réelle, hein. 10 ans de prison, je trouve que c'est pas assez pour ce qu'elle a fait. Elle a buté un mec, quoi. Après, forcément, Amy Bailey, elle a quand même tiré sur nous. Donc forcément, elle prend plus, et c'est logique. Mais du coup, voilà, elle, t'as en plus 22 ans. Bah écoute, elle aura 32 ans quand elle sortira de prison, si elle arrive à sortir de prison, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Nous, on est là pour faire régner l'ordre. J'espère voilà, que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Vous voyez, drug overdose, là, on a une overdose de drogue. Tout ça, ce sera pour les prochains épisodes si vous êtes chaud. Si vous voulez qu'on continue les épisodes dans les quartiers, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai voilà, prochainement de refaire un petit peu plus de course-poursuite sur les autoroutes. Évidemment, je vais un petit peu varier, mais voilà, dites-moi ce que vous préférez. Et puis, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo, maximum de pouces bleus. Ciao, ciao tout le monde.